Et hey yo, salut tout le monde, c'est Raptor et aujourd'hui on se retrouve les gars pour analyser The Front, un jeu qui va sortir dans à peine 3 jours, qui sortira du coup le 11-10-2023 en Early Access, et vraiment un jeu qu'on va attendre avec impatience. Donc c'est un jeu sur monde ouvert qui se jouera bien évidemment en multijoueur, coopération en ligne, en PVP, PVE, enfin bref, on va tout détailler ça et tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Alors, on va lire le résumé. The Front se déroule dans un monde bac à sable, post-apocalyptique, rempli de mutants et de factions hostiles. Sur cette terre déchirée par la guerre, les joueurs affronteront des forces impériales brutales, des exilés, des voyous et des rebelles dans une bataille épique qui décidera du sort de l'humanité. Faites équipe avec vos amis, explorez les ruines et nettoyez les zones de rassemblement de monstres. Améliorez la technologie, fabriquez des armes et des équipements, construisez des bases et défendez-les avec des pièges de défense. Conduisez des chars et des hélicoptères pour défendre votre patrie contre des ennemis puissants. Donc bon, déjà, ce qu'on a vu sur la vidéo, ça promet quand même assez du lourd. On a une combinaison de Seven Days to Die, de Conan Exile, on a pas mal de jeux qui ont l'impression qu'ils sont rassemblés dans un seul jeu, et qui va en faire un jeu quand même qui, enfin, franchement, qui a l'air pas mal, en tout cas en vidéo, qui a l'air vraiment très intéressant. Donc on est sur un monde sandbox. Alors qu'est-ce que c'est qu'un monde sandbox? C'est-à-dire tout simplement c'est un monde qui est entièrement modifiable. Vous pourrez très bien creuser la terre, ou faire un bunker, enfin plein de choses. C'est-à-dire construire une base en utilisant des centaines de composants de construction différents pour protéger vos ressources et protéger vous protéger de ce monde impitoyable. Alors la seule limite est votre imagination. Donc voilà. Donc les développeurs nous donnent toutes les possibilités apparemment de construire. Ensuite, on aura la possibilité de fabriquer des véhicules modernes. Donc, comme il est dit sur l'affiche, fabriquer et conduisez plus de 20 véhicules fonctionnels, dont des camionnettes et des camions forestiers, des camions miniers, des canons anti-aériens, automoteurs, des hélicoptères d'attaque et bien plus encore. À l'avenir, The Front introduira également des véhicules de base modifiables permettant aux joueurs de construire des monstres en acier en mouvement. Ce que peut nous apprendre là, c'est que tout simplement ils vont nous laisser la possibilité de construire d'autres véhicules qui ne seront pas forcément directement implantés dans le jeu, mais qui seront implantés dans des mises à jour futures. Ensuite, on a les raids sur les champs et les bases ennemies. Armez-vous d'une variété d'armes de mêlée, d'armes à feu, d'explosifs et même de chars et d'hélicoptères, puis utilisez ces instruments de guerre pour attaquer les bases d'autres joueurs ou simplement pour vous protéger votre propre territoire. Donc comme je disais au début, il y aura la possibilité de PVE, c'est-à-dire qu'il y aura des bases ennemies contrôlées par l'IA, et il y aura des bases, si vous voulez faire du PVP, il y aura des bases d'autres joueurs. Voilà, après ça sera à vous de voir si vous voulez jouer sur des serveurs officiels ou des serveurs privés. Ensuite, on a un truc qui me rappelle énormément Conan Exile. Recruter des suiveurs. Utilisez des perturbateurs pour maîtriser les PNJ que vous rencontrez dans le monde. En plus de vous aider au combat, ces PNJ utiliseront également leurs talents à l'établi pour vous aider à augmenter l'efficacité de vos actions et produire des ressources plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tout simplement, ça me rappelle énormément le système de thème de Conan Exile. Donc pour ceux qui ont joué, vous verrez de quoi je parle. Vous avez la possibilité de recruter des guerriers, mais aussi ces guerriers ou alors ça sera d'autres personnes, enfin que vous pourrez sûrement assommer ou je ne sais quoi, vous permettront par exemple de mieux récolter, de cuisiner, des trucs du genre quoi. Ça va vraiment, comme je disais, comme un petit peu le système de Conan Exile, vous pouvez recruter des alchimistes, des cuisiniers, des trucs du genre quoi. Ensuite, on aura tout ce qui est plantation et cuisine. Fabriquez du matériel hydraulique, puis utilisez-le pour développer votre système agricole. Donc tout simplement, on pourra avoir des plantations où vous pourrez faire pousser, à mon avis, diverses céréales ou des trucs du genre. Voilà. Y compris la pulvérisation et la plantation. Donc voilà, comme c'est dit là. Choisissez parmi des dizaines de recettes pour cuisiner de délicieux repas. Donc on imagine que les repas vont vous donner des bœufs ou des trucs du genre, comme dans divers jeux qu'on a déjà pu explorer au sein de notre carrière de gaming. Ensuite, le dernier point, ça sera explorer un monde post-apocalyptique. Donc, comme on l'a vu sur la vidéo, vous avez des espèces de donjons, vous aurez à mon avis des boss, des zombies plus vénères que les autres, ou vous aurez le petit zombie de merde qui là vous lui mettez une balle, c'est terminé, sauf que là bah, après vous en aurez un plus gros qui lui sera beaucoup plus résistant, comme on peut le voir dans la vidéo, hein. Il suffit, à mon avis, il faudra pas juste une batte pour bien le pour bien le shooter celui-là. Et voilà, donc encore une fois, on aura pas mal de trucs, on va lire la description. Voyager à travers
les forêts, les terres enneigées, les marécages et bien plus encore pour explorer des zones inexplorées, dangereuses, telles que des instituts de recherche souterrains. Donc, comme on disait, voilà, on aura des instituts de recherche souterrains à explorer. Même vous pouvez construire sous terre, parce qu'on l'a vu dans la vidéo, le sol est terraformable, donc du coup, on pourra le modifier, quoi. Et bien évidemment, des bases militaires restreintes. Tout au long de votre chemin, vous pillerez des bâtiments, collecterez des plans et réclamerez des largages aériens. Donc là aussi, on l'avait vu dans une précédente vidéo, il y avait un largage aérien qui était arrivé. Et bien évidemment, sûrement que ça va se fight pour essayer de le choper. Le tout dans le but de devenir une force avec laquelle il faut compter. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de la présentation de The Front, c'est qu'on est sur un jeu qui, je suis désolé si ça plaît pas trop ce que je dis, mais qui va combiner quand même plusieurs atouts de différents jeux, par exemple bah, Seven Days to Die dans le style de zombie, de tower defense, où vous allez pouvoir modifier la map entièrement, et on aura du Conan Exil au niveau de tout ce qui est suiveur, c'est-à-dire que vous pouvez recruter des gens, les faire vous suivre, et tout ça, voilà, et moi ça me rappelle un petit peu au niveau des véhicules, des trucs du genre, ça me rappelle un petit peu une base de, un petit peu de Arma 3, bien évidemment je dis bien, c'est, ça me rappelle, ok, ça veut pas dire que c'est exactement pareil, ou quoi que ce soit pareil pour les deux autres jeux, pour les deux jeux suivants. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que nous on est très emballés par ce projet, et que on compte bien ouvrir un serveur dès lors de sa sortie, qui sera du coup, je le rappelle, le 11-10-2023. Voilà, qui sortira dans quelques jours. Ne ratez pas cette sortie, il ne sera pas très cher aussi, il sera à peu près, selon nos sources, il sera à peu près à 15€. Donc ça reste quand même, pour le travail qui est effectué, on est sur un prix de jeu qui est assez raisonnable. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller le consulter directement sur Steam. Vous verrez toutes les informations qui peut en découler. Sinon, vous avez le Discord des développeurs qui sont quand même assez à l'écoute et qui ont quand même une bonne communication. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout cela. Bien évidemment, vous pourrez nous rejoindre, nous, on compte ouvrir un bon serveur dessus. Vous pourrez nous rejoindre sur notre serveur privé où on explorera ce monde post-apocalyptique, ou nous rejoindre directement en live qui s'affichera en haut de l'écran. Plus le Discord aussi si vous êtes intéressé. Voilà, je vous embête pas plus, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye tout le monde.